Frontside 180 Kickflip, comme vous pouvez vous en douter à cause de son nom, est un mix entre le Frontside 180 et le Kickflip, les deux mouvements de base de ce tricks. Le placement de pied est lui aussi un mélange de ces deux tricks. Le pied arrière doit être placé un peu à l'extérieur du tail et le pied avant en dessous des vis du truck avant, légèrement vers l'extérieur. Comme pour le Frontside 180, il est important de vous servir de vos épaules. Avant même de claquer le tail, vos épaules doivent se tourner pour lancer le mouvement de rotation à 180 du corps. Il est également important de pousser le tail vers l'avant à l'aide de votre pied arrière pour accompagner la rotation. La rotation de la planche sur l'axe de la longueur se fait, quant à elle, en utilisant la technique de frottage du kickflip, en envoyant le pied avant jusque devant le nose à l'aide des orteils et en laissant la jambe se tendre. Replaquer le trick avec le poids au-dessus du truck avant peut vous permettre d'achever le mouvement de rotation du corps en dérapant au sol, et ainsi vous assurer un meilleur contrôle lors de la finition du trick.